Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto mini-album pour les jolies créations. Donc pour ce mini, je voulais vraiment partir sur un combo craft avec du calque, du blanc. Voilà, je voulais vraiment partir sur ce combo-là et du coup sélectionner les papiers de la collection avec des touches justement de beige et de blanc. Donc j'ai sélectionné ce papier-là, entre autres, également celui avec le rondin de bois. Voilà, je voulais vraiment rester dans ce combo. Et je voulais un album déstructuré sur lequel les pages en fait se rallongent avec 2 cm de plus à chaque fois. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc voilà en fait mon idée de départ. Enfin, j'ai une vingaine de photos à peu près, donc du coup j'ai fait un certain nombre de pages pour que tout rentre. J'en ai fait deux en fait, j'ai 2 pages par dimension de page, tout simplement. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'ai 12 pages, sachant qu'ici forcément ça va être la déco de ma couverture. Donc voilà mon idée de départ. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, au niveau du papier craft, je suis partie sur du 200, 210 ou 230, je ne sais plus, c'est la marque Pollen. Et en fait, j'en avais plus assez, donc j'ai dû prendre du 180 grammes pour compléter. Je pense que ça suffit, surtout si on colle en plus un papier de la collection au dos qui sont assez épais, donc normalement, ça devrait pouvoir tenir. Alors au niveau des dimensions, j'ai voulu donc un album horizontal. Donc en hauteur, il fait 9 cm. Et ensuite au niveau de la longueur, j'ai commencé par 8 cm et à chaque fois on rajoute 2. Donc 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alors pour la reliure, on va simplement faire un pli à 1,5 cm du bord au niveau de chacune des pages, et on va ensuite perforer des trous au centre, donc entre notre bord et la ligne de pli à 1,5 cm, et on va ensuite passer une petite ficelle pour relier le tout. Ou pour les personnes qui ont des vis et qui préfèrent les vis, voilà, vous pouvez très bien les utiliser également. Alors pour les plis, on va commencer du coup à 1,5 cm, mais pour chaque page, il faudra décaler d'un millimètre le pli de manière à ce que toutes les pages puissent se tourner correctement. Parce que si on fait tous les plis à 1,5 cm, sachant qu'il y a de l'épaisseur, au bout d'un moment, ça va coincer en fait. Les pages, elles vont plus pouvoir se tourner librement. Donc, votre première page, vous allez tracer un pli à 1,5 cm, ensuite 1,6, ensuite 1,7, etc. jusqu'à la fin. Et donc voici ce qu'on obtient. Donc je me suis mis un petit trombone de manière à tout faire tenir. C'est plus facile pour ensuite cibler ce qu'on va mettre sur chacune des pages. Et là on voit bien que grâce au petit décalage d'un millimètre, tout se tourne correctement. Et donc votre dernière page, normalement, vous allez avoir un pli à 2,6 cm. En commençant ici à 1,5 et en décalant à chaque fois d'un millimètre, vous finirez à 2,6 sur la dernière page. Et donc, une fois que tout sera fini, on percera des petits trous de ce côté-ci, au milieu, et puis on passera une petite cordelette ou
quelque chose du coup qui reste d'assez naturel pour aller bien avec ce mini. Mais je vous conseille de travailler les pages à plat, donc d'abord de les travailler séparément avant de les relier entre elles. Donc je vais faire quelques petites pages de déco avec vous et je vous retrouve ensuite pour finaliser l'album.
Toutes mes pages sont maintenant finies, donc je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Pour la reliure, nous allons prendre notre premier morceau qui constitue donc notre première page, qui se met donc ici. Et on avait fait un pli à 1,5 cm du bord, donc on va tracer une petite ligne au crayon de bois à 0,75 cm. Et on va faire un repère à 1 cm. 1 cm des deux côtés. Et ensuite, alors attendez. Attends, là je suis en train de m'embrouiller en plus. Donc, au niveau des repères, nous allons faire un repère à 1 cm de chaque bord, puis ensuite à 1,75, encore 1,75, 1,75 et 1,75. Donc tous les 1,75 en partant à 1 cm de chacun des bords, et nous allons percer justement des petits trous, ce qui va nous permettre de passer notre petite ficelle pour la reliure. Et à partir de là, on va l'utiliser comme gabarit et on va reporter justement ces petits points sur chacune des pages. Voici l'album terminé. Donc j'espère que il vous plaira. Donc ici, donc j'ai fini la petite reliure hors caméra, sinon ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc le principe est simplement de passer le fil comme si on brodait finalement. J'ai simplement fait un petit lassage de ce côté-là. Au niveau de la couverture avant, comme elle était assez rikiki. Et je ne voulais pas la rallonger pour ne pas gâcher l'effet cascade. J'ai mis ici un petit onglet pour faire une petite jonction, on va dire. J'ai mis du papier blanc de manière à un peu trancher et à faire ressortir les décos qui vont être dessus. Donc là, j'ai vraiment mixé le tout. Donc on retrouve de l'embossage à chaud en blanc. On retrouve des tampons colorisés à l'aquarelle et on retrouve également de l'embossage à chaud sur du craft. J'aime beaucoup la combinaison de ces trois éléments. Et j'ai utilisé pour ce mini un petit badge. Donc c'est le badge avec le renard qui est juste trop trop mignon. Et alors au niveau de la fermeture, ce que j'ai fait, c'est que hop, j'ai glissé en fait
la même ficelle pour avoir un rappel sous mon dos de couverture. Donc je l'ai vraiment fixée avec du double face de la colle histoire qu'elle tienne bien. J'ai monté sur carton gris, sur une chute de carton gris, mon badge de manière à ce qu'il ait une petite hauteur. Et en guise de breloque, j'ai utilisé un des chipboards de la collection. Donc cette superbe feuille en bois. Et donc comme ça, je l'ai enroulée simplement autour du badge et c'est ce qui me fait ma fermeture du mini. Donc voilà, je trouvais ce système assez sympa. Étant donné que j'ai beaucoup travaillé avec des éléments naturels, enfin surtout en termes de papier, je trouvais que le fait de le laisser en bois brut, ça se coordonnait bien avec le reste de l'album. Donc passons maintenant à l'intérieur du mini. Donc ici, j'ai pris un des négatifs dans lequel j'étais venue découper ce die the feuillage avec le titre « Regardez les feuilles tomber ». Donc je trouvais que ça collait parfaitement avec le design du négatif et des petites feuilles ici sur le bas pour contraster. Ici, donc on a une petite photo. Donc je l'ai collée sur une des cartes de Project Life. Donc c'est une des cartes où vous avez une petite feuille déjà imprimée dessus. Ici, je me suis amusée avec le pochoir et de la pâte à texture. Alors la mienne coulait un petit peu. Bon, j'ai réussi à rattraper la casse, mais voilà, celle que j'avais était un petit peu trop liquide, mais bon. Du coup, c'est pas exactement le rendu que j'aurais voulu, mais sinon, ce pochoir, il est vraiment superbe. J'ai mis ici un petit renard embossé sur craft. Voilà, je suis vraiment restée dans des tons très naturels sur cette page. À droite, donc il y a une photo avec une petite agrafe et un petit peu de fil, voilà, pour apporter de la texture supplémentaire. Ici, j'ai simplement mis une chute de papier pour pas que l'ensemble soit que craft. De ce côté-là, hop, on a une photo avec une fougère embossée à chaud sur craft et j'aime beaucoup beaucoup le rendu. Je la trouve d'une finesse cette fougère, elle est vraiment superbe. On a ici, donc je l'ai utilisé à moitié, en fait c'est un des tampons de la collection, mais je l'ai coupé en deux. Et ici j'ai mis un petit die cut directement détachable de la collection. De ce côté-là, une autre photo. Cette fois-ci, j'ai laissé le craft. Donc je l'ai fait à peu près une page sur deux. Tantôt je prenais du papier imprimé, tantôt je prenais du craft. Donc ici, on retrouve le feuillage en découpe. Ici, à nouveau un tampon et un petit titre comme ça, c'est l'automne. Sur cette page-ci, donc j'ai utilisé du papier crème pour trancher. J'aime beaucoup le combo craft et crème. Je trouve que ça apporte un côté assez chic. Toujours un petit tamponnage histoire de contraster. La nature est belle, donc c'est un tampon de la collection. De ce côté-là, je me suis amusée à mettre des petits tamponnages de fond à la Versafine noire. Et sinon, voilà, je me suis amusée avec le calque parce que ça ressort très très bien sur du craft, justement. Et ce que j'ai bien aimé faire dans cet album, vous le verrez sur d'autres pages, c'est de prendre une grande photo, enfin une grande, en tout cas. Qui fait presque photo pleine page par rapport à mes pages. Et je reprenais une toute petite photo que j'encadrais. Celle-ci, elle est encadrée. D'autres fois, je la matais. Et comme ça faisait un petit rappel à côté. Et je trouvais ça assez sympa. Ici, donc, on a une photo. Ici, donc, c'est une petite étiquette à découper. Un petit écureuil embossé sur craft. Des petits feuillages. J'aime beaucoup cette page. Ici, donc voilà, j'ai ici deux photos. Entre les deux, donc j'ai mis une petite fougère cette fois-ci embossée sur du calque au cœur de la forêt. Une petite pomme pour ajouter une petite touche. Et là, toujours une petite chute, histoire de mater un petit peu la photo. De ce côté-là, j'ai voulu une page déco, donc j'ai utilisé le cercle à broder. J'ai tamponné directement les petits trésors de l'automne. Ici, ce sont des petites châtaignes qui étaient sur une carte de PL que j'ai détourée. Voilà.
Donc à nouveau, on a une grande photo avec une toute petite à côté. Donc là, c'est toujours des feuillages que j'avais détourés de la même carte de PL, si je ne me trompe pas, et d'autres tampons embossés à chaud sur calque. De ce côté-là, j'ai utilisé une chute dans laquelle j'avais découpé une fougère. Et j'aimais beaucoup en fait les petites vaguelettes comme ça. Enfin, on devine que c'est un végétal au dos, mais c'est vraiment très fin, très léger, c'est assez doux. Donc voilà, j'aimais bien le rendu. Ça casse un petit peu le papier imprimé qui est en dessous. Et donc là, j'ai à nouveau utilisé donc deux photos, une grande et une plus petite, avec donc des feuillages. De ce côté-ci, donc j'ai laissé la page en craft, j'ai à nouveau utilisé ma pâte à texture. Et cette fois-ci, le petit écureuil embossé sur calque parce que là, il ressortait bien sur la photo. Voilà. Donc la cueillette des châtaignes, ça correspond bien à ce qui se passe sur la photo. Ensuite, on déroule. Donc, on a à nouveau une autre photo. J'ai utilisé une chute également au niveau du haut de la page. Par-dessus, pour comment dire, en décalé, j'ai recollé en fait cette même découpe, mais cette fois-ci sur craft, les couleurs de l'automne en titre. Et j'ai mis des petites châtaignes comme ça. Ça me sert un peu comme si on mettait des petits dots en fait. C'est assez petit et je trouve que ça habille tout de suite la page. De ce côté-là, donc j'ai collé une toute petite photo sur l'un des tags de la collection. Et entre les deux, j'ai mis des feuillages. Et un petit peu de fil toujours. Voilà. De ce côté-ci, donc j'ai fait un cadre où la photo, donc elle est à l'intérieur. J'ai titré Automne et donc j'ai utilisé ce superbe papier, voilà, qui se suffit à lui-même. Et j'avais envie d'un petit peu de calque, voilà, étant donné que j'en utilise beaucoup sur toutes mes décos pratiquement. Je voulais une page de calque brut. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai simplement évidé en fait un rectangle. J'ai mis donc ma feuille de calque. Et au dos, pour cacher, en fait, j'ai retaillé exactement le même cadre, mais dans du papier imprimé. Et donc là, pour l'habiller, j'ai simplement collé un petit renard et une petite feuille. De ce côté-là, on a une photo et j'ai mis une minuscule photo, donc c'est pratiquement la même. Dans le panier, il y a un tampon panier que j'avais embossé à blanc, sur calque, oui, avec de la poudre embossée blanche. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, ça pourrait être mignon de glisser une petite photo à l'intérieur du panier. Donc j'ai mis ici une châtaigne parce que c'est ce que ma fille présente à mon petit dernier. Et voilà, une balade en automne, en titre. J'aime beaucoup la petite photo dans le panier, je trouve ça trop trop chou. Alors, on va arriver aux deux dernières pages. Donc ici, donc j'ai deux grandes photos. Donc je me suis un petit peu lâchée sur les deux dernières parce que c'était les formats les plus allongés. Donc j'avais de la place pour mettre plus de photos. Donc ici, voilà, j'ai mis une photo plus rectangulaire, une photo un peu plus carrée pour varier, une petite étiquette pour apporter du contraste, photo de saison. Des petits feuillages ici. Et de ce côté-là, on a à nouveau une photo sur un tag de la collection avec toujours un peu de fil, voilà, pour rappeler un petit peu cette matière. Et ici, deux autres photos avec une toute petite photo ici. Ça, c'est ce que j'ai détouré dans une des cartes de PL. Comme ça fait comme si la photo se cachait un petit peu en dessous, j'aime bien. Et ici, à nouveau, une petite étiquette. Et vous voyez, en fait, toutes les pages se tournent super bien, en fait, du fait qu'on ait laissé à chaque fois le millimètre d'écart. Puis là, on voit, en fait, la reliure. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, voilà pour cet album. J'espère que la petite vidéo tuto vous aura plu. L'album également. Voilà, vous retrouverez évidemment tout le matériel que j'ai utilisé sur le blog de la boutique de Les Jolies Créations. Voilà, donc n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de futures créas.